Donc au niveau du châssis, voilà ce que ça donne à peu près. Ça commence à prendre forme. Juste le, bon, ce qui est chiant, c'est au niveau des vis, enfin au niveau du plastique. Des fois, il faut forcer en fait pour prendre la vis dedans. C'est un peu galère, surtout au début en fait, quand il n'y a rien d'attaché. Mais bon, après, c'est pas non plus insurmontable. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite remarque comme ça, quoi, on va dire. Mais bon, sinon après, ça se monte. C'est comme un mécano, hein, on va dire, ou un Lego, faut juste suivre. Par contre, là, il y a un truc que j'ai pas compris. Ils nous ont foutu une scie pan là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, depuis tout à l'heure, il n'y a que des cruciformes. Puis là, d'un seul coup, on vous met une scie pan. Bon, ok. Et franchement, mettez des scie pans partout parce que cruciforme, pas terrible. Voilà. Bon, allez, on continue.
Thank you.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Franchement, même l'enlever, ils seront durs quoi. Oh putain, lui.
Voilà, comme ça, ça va. Mais une fois que je mets les cardans, c'est un truc de fou. Là, il tourne bien, hein. Là, y a pas de problème. Par contre, dès que je mets les cardans, ben, c'est galère. Bon, on va regarder ça.
Thank you.
We'll be right back.
Donc ça y est, donc le plus gros est monté. Il me reste encore une partie de l'électro à mettre. Bon, les pare-chocs, je pense que je les enlèverai avec, avec les nouvelles carreaux là. J'ai encore la carrosserie aussi à faire. Bon, par contre, en montant tout à l'heure, je me suis aperçu qu'au début, enfin je vous disais au niveau du pont, il y a un problème, que ça bloquait au niveau des cardans. Et effectivement, ça bloque pas mal. J'ai l'impression que ça me bloque tout l'ensemble. L'avant, c'est pareil. Alors, pour vous rendre compte, c'est surtout l'avant. Et quand je fais... À l'avant, il y a un petit craquement. Alors, je vais tout redémonter. Est-ce que j'ai trop serré certaines choses? C'est possible. Donc je vais voir ça. Donc il faut que je redémonte tout ça là, tout le milieu. Parce que c'est surtout quand j'ai monté le milieu, le bloc, que ça a bloqué encore plus que l'arrière. Je me demande de ce que j'ai fait. Après la petite pièce que j'avais perdue tout à l'heure, j'ai bien regardé. Pour moi, elle n'était pas dedans. J'espère qu'elle n'est pas dedans. De toute façon, je pense que ça bloquerait plus. Donc voilà. Après, sinon. Bon, au niveau des vis, c'est pas des vis pour faire pour percer le plastique en fait, j'ai l'impression. C'est des vis basiques et franchement, des fois, c'est assez galère à visser. Ça, c'est le gros point noir que je trouve dessus. Donc, voici avec la carreau ce que ça fera. Hop, je sais pas si on voit très bien. Bon, j'enlèverai sûrement les pare-chocs. Mais ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, ben voilà, enfin, j'ai hâte de terminer tout ça, enfin surtout de tout démonter le milieu là, parce que ça m'inquiète un peu. Parce que quand j'ai réglé l'entre-dent, j'avais pas ce problème là. Quand j'ai réglé l'entre-dent, le moteur allait bien, quoi, il n'y a pas de truc anormal. Et c'est une fois que j'ai monté l'ensemble que ça m'a fait ça. Donc je vais regarder ça d'un peu plus près, puis voilà, donc je vous dis bah, à bientôt pour la suite. Salut !